Eh bien salut à tous, c'est Masca, bienvenue pour cet épisode bonus sur Pokémon version Rouge Feu et Vert Feuille. Voilà, on retourne dans ce let's play, donc du coup on est à l'épisode numéro 30, car il reste pas mal de choses à faire post-game que je voulais pas faire, et puis je me suis dit bon bah, j'aimerais bien retourner sur cette génération, et puis voilà, il y a la capture notamment des légendaires de la deuxième génération. Et pour ce faire, on est à Carmin-sur-Mer, on va utiliser le ticket mystique qu'on a récupéré, c'est un ticket événementiel qui va nous ramener voilà, dans les îles Roquenombrie, donc on va y aller directement. C'est parti, let's go. Et nous voilà sur l'île Roquenombrie du coup, une île que j'ai jamais faite, donc il n'y a qu'une seule grotte, on peut y aller. Vous allez voir que j'ai pu reformer, enfin que j'ai reformé mon équipe de capture du coup, pour l'occasion. Hop, on va descendre ici. Et donc cet épisode il va être assez rapide parce qu'on va, capturer Ho-Ho et Lugia, et puis normalement on va s'arrêter là. Par contre je ne connais pas du tout, donc je sais pas s'il y a un parcours à faire. Ici il y a quelque chose à faire visiblement à gauche. C'est très long. Ok, il n'y a rien, donc je sais pas si c'est là où il devait y avoir Ho-Ho, Lugia, je sais pas trop. On va reprendre le chemin principal. Et en tout cas, voilà, je voulais en profiter pour vous remercier voilà, pour toutes les vues et pour tous les abonnements que j'ai eu suite à la... Alors déjà, à la série Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille qui a énormément marché, mais également à la série sur la 9G, donc Pokémon Écarlate et Violet qui a marché incroyablement bien avec une vidéo à plus de 3000 vues, donc ça je vous remercie vraiment. On va aller à gauche. On monte, on monte, on monte, on monte, et j'imagine qu'on va arriver devant un des légendaires, qui doit être à mon avis, voilà, Ho-Ho, et c'est parti pour Ho-Ho Shiny, pas du tout, qu'on va tenter de capturer, niveau 70, donc face à notre Dracaufeu qui est niveau 69, j'espère ne pas lui faire trop de dégâts, bon normalement, feu contre feu ça devrait aller. En tout cas, si vous appréciez le contenu des let's play proposés sur la chaîne, déjà je vous remercie et je tenais à vous signaler, il a une grosse défense au haut, que je ne vais pas faire que du Pokémon, voilà, donc il y a beaucoup de Pokémon, je sais qu'il y en a pas mal qui sont abonnés juste pour ça, mais je vais essayer de me diversifier un peu, de proposer des let's play sur des FPS, sur plein de jeux différents. La base de la chaîne c'est quand même d'avoir des let's play assez variés et surtout aux jeux auxquels j'ai envie de jouer. Là j'avais envie de retourner un peu sur cette génération là, donc c'était l'occasion de le faire en vidéo. Même si on va capturer que Ho-Ho Lugia dans cet épisode, et puis je pense que je ressortirai après un épisode avec la capture de deux nouveaux Pokémon légendaires. Et puis là je pense que vraiment on aura fini Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille à 100%. Aïe aïe, Ronflex il prend des gros dégâts là. Non, en vrai ça va, il a tanké quand même. On va faire un petit bâillement pour l'endormir. Ah, il faut résister, pas de coups critiques surtout. Non, ça va. Bon, au moins il sera endormi. On va quand même tenter un petit plaquage au cas où. Voir si ça passe ou pas. Non, mais j'ai peur qu'on perde Ronflex là déjà. Dès le premier combat. Plaquage, allez, j'espère ne pas le tuer. Bon, parfait, il se soigne. Mais je pense pas que je l'aurais tué, hein. Je pense que je l'aurais laissé vraiment à 1 HP comme j'avais prévu. Allez, plaquage des familles. Ouh, coup critique. Oh non, le pire move. Oh, le pire bail. Du coup, il va pas s'endormir. Oh non, j'y crois pas. C'est vraiment le pire qui pouvait arriver, c'était ça. Du coup ça annule l'endormissement. Ce qui fait qu'il va pouvoir quand même m'attaquer malheureusement, même si c'est une fois sur deux, il va quand même m'attaquer. Et il va aussi peut-être se soigner. Bon, première boule. Flop. Ok, les rayons du soleil, on s'en contrefou. Allez, c'est maintenant, c'est tout de suite. J'y ai cru de fou, les amis.
Et je pense qu'on va perdre Ronflex sur ça, ouais. On perd Ronflex. Oh, oh, qui est toujours paralysé, mais du coup, il pourra pas se retirer de sa paralysie. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, en vrai. Ah, peut-être que soin, ça sort de la paralysie, je sais pas. Là, il faut absolument que je sois paralysé maintenant, que je puisse faire une petite attaque avec Ossature. On va faire un... faux charge. J'attaque en premier, what the fuck. What the fuck. Ok, je pensais que j'allais rester au moins une petite attaque, mais pas du tout. On va envoyer du coup Drac au feu. J'aurais pu peut-être envoyer même Toby, ça change pas grand chose. Et de toute façon, là, on a rien à faire d'autre que de spammer les balls. Spammer, 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 spammer. Non. Allez, résiste Drac au feu. C'est bien parce que pour l'instant, il refait pas de soins quand même, mine de rien. Mine de rien, ça fait plaisir. Allez, 1. Ah non. Non, 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 non. Dracofeu qui nous quitte. Par la grande porte. Merci Dracofeu. Et on envoie notre Toby, du coup le dernier espoir de la team. Pour tenter de capturer ce oh oh. Ouh, j'ai failli faire une dinguerie. Allez oh, c'est maintenant qu'il faut rentrer dans la boule. C'est pas après. Super, il est paralysé. En fait, du coup, il va être paralysé tout le temps, quoi, en fait. Concrètement. C'est peut-être même mieux que l'endormissement. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais là... Et il utilise soin. Merde, merde, merde. Est-ce qu'un psycho, ça le tue, là? Ouais, j'ai peur qu'un psycho, ça le tue. J'ai peur qu'un psycho, ça le tue, clairement. Non, ça le tue pas. Mais en tout cas, je peux pas en faire un deuxième, ça c'est sûr. Un, deux, trois. Oui, let's go! Oh oh, est attrapé. Bon, on aura galéré, mais pas tant que ça au final quand même. Hein. En vrai, ça va. Les données de Oh-Oh sont ajoutées au Pokédex. Une légende raconte que son corps brille de cette couleur. Un arc-en-ciel se forme derrière lui quand il vole. Je n'imagine pas les chasseurs de Shiny comment ils doivent suer du cul. On va pas lui donner de surnom. Ah, ils doivent suer du cul parce que pour le capturer, j'avoue que c'était pas une mince affaire, même si j'ai pas utilisé beaucoup de balles en vrai. Je vais pouvoir directement enchaîner avec Lugia. Lugia, vous dites comme vous voulez, hein. On s'en fout. Enfin, j'espère qu'on peut capturer, je dis ça, mais j'espère qu'on peut capturer les deux dans la même version. Oui, parfait. Il y en a un qui était en haut et un qui était en bas. On descend, descend, descend. D'ailleurs, attendez, mais j'avais fait de la place exprès dans l'équipe pour avoir OO, donc normalement, on devrait pouvoir le voir. Par contre, on descend très bas, là, non? Non, mais attendez, c'est de l'abus, là. Du coup, Pokémon. Oui, OO qui est là. Parfait. Et ben, on va essayer de le soigner. Déjà, il faut rappeler tout le monde. Mais je crois que je peux pas rappeler tout le monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au centre Pokémon et je vais revenir devant Lugia comme ça. Toute l'équipe sera complète. A tout de suite. Les amis, nous revoilà avec notre équipe soignée devant Lugia. Du coup, on a OO qui a rejoint l'équipe. Mais qui va pas nous être très utile face à Lugia parce que... tout simplement, Lugia est un Pokémon eau. Et OO, un Pokémon feu. On va commencer par un déflagration pour voir ce... Non, on va mettre un zénith en place. Comme ça, on va mettre un peu de soleil. Sachant que Dracofeu va pas être très efficace face à Lugia, mais c'est ce qu'on veut. De toute façon, on essaie de... On va essayer de pas le one-shot. Du coup, il prend la priorité. L'eau prend la priorité sur le feu. What the fuck. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, non. C'est pas ça du tout que je voulais faire. C'était... Bah du coup critique, hein, premier tour évidemment. Évidemment.
C'était un déflagration, donc on va faire déflagration tout de suite. Et Dracaufeu qui rate son attaque, c'est magnifique en plus. Le talent Lugia qui nous fait perdre 2 PP. PP dans le Zef, voilà, magnifique. Déflagration, je sais même pas ce que ça donne comme attaque. Savoir si ça fait mal ou pas. Et ça fait pas mal. Ok, homie. On va continuer à pleuvoir. Et du coup, il a cancel mon zénith en fait. C'est un peu de la daube hein, en vrai. Il y a Dracaufeu qui va peut-être nous quitter là. Oui, super efficace. On va utiliser notre Pokémon, du coup on va utiliser comme d'habitude Ronflex. On verra OO ensuite par la suite, mais bon, c'est pas le plus important. Et sur la route j'ai bien affiché une strat et je pense que je vais arrêter le bâillement. On va juste faire des plaquages en tentant de le... enfin en espérant le Parax. Parce que c'est peut-être plus intéressant de paralyser que d'endormir. Même si en vrai il peut nous attaquer et tout, au moins la paralysie ça reste longtemps. Et en plus plaquage c'est quand même une attaque qui fait des gros dégâts. Et il va nous en falloir parce qu'avec son attaque soin là, il en a 20. Il va les spammer en plus. Toujours pas paralysé. Normalement je peux en faire encore une, ça va pas le tuer. Sauf, il faut absolument pas que je fasse de coups critiques. Pas de coups critiques, Ronflex, s'il te plaît. Bon dommage, j'aurais aimé une petite paralysie. On va tenter une hyperboule. En vrai j'aurais peut-être pu l'endormir quand même. Mais c'est dans l'espoir qu'il fasse pas soin entre temps. Ok, c'est de la merde. Et il utilise soin, c'est vraiment de la merde. Alors là, combo merde. Mais ça va pouvoir nous permettre de faire plus de plaquage, donc plus de chances de paralyser. Je sais pas c'est combien de pourcents de chances de paralyser un plaquage. Allez, Hydro-canon, on tank. Allez, on tank. Ouais, on tank, mais c'est pas ouf non plus. Allez, Parax. Allez, Parax, maintenant. Maintenant. Oh, Parax, parfait. C'est parfait, je vais pouvoir en faire un. Yes. Moi, je vais pouvoir en faire plus, alors, du coup. Je pense que je vais pas pouvoir le... Ah, ça va être compliqué. Oh, le coup critique qui carry. Le coup critique qui carry. On va peut-être pouvoir faire 2 Parax encore. Pour le mettre dans le rouge. Et ensuite, on va commencer à lancer des balls. Même si, en vrai, il va se soigner à chaque fois. Allez, pas de coup critique. Pas de coup critique. Et en plus, il se soigne pas, donc c'est parfait. Là, toutes les conditions sont réunies pour être capturé. Et en plus, Ronflex qui ne tombe pas au combat. Et c'est parti. Ok, c'est flop. Il est parax, c'est parfait, il peut pas attaquer. On va respammer une hyperball. Et si c'était pas maintenant? Un. Non, j'ai cru. Ok, Hydro-canon, ça c'est bon. Au moins c'est pas une attaque soin. Et on va utiliser nos Pokémon parce que Ronflex ne nous sert plus à rien. Merci d'avoir participé Ronflex, c'est cool. En vrai j'ai envoyé Toby. Peut-être que le fait que ce soit niveau supérieur ça va nous aider. Pas du tout. Hyper Ball, c'est parti. Allez, 1. Non. Et il rate son attaque, c'est parfait. Il se soigne toujours pas. Putain, la Parax qui fait plaisir. 1. Non, ça veut pas faire 2. Ça veut pas faire 3 non plus. Coup critique, bah oui. Hein. Bah, tant qu'à faire. Allons-y. 1. Hein. En vrai, j'ai mis Ossature dans l'équipe, mais il ne sert absolument à rien. Vu que de toute façon, ses attaques seraient pas efficaces face au Lugia et que... que ça nous servait à rien tout simplement. On va faire un séisme, ça sert à rien. On va faire un psycho. Normalement ça fait pas de dégâts psycho, hein. Psy contre psy, parce que Lugia est au psy. Oh, je fais pas de dégâts quand même, hein. Allez, résiste. On va refaire un psycho et on va spammer les boules après. Ouais, parfait, ça le met parfaitement dans le rouge. Et c'est reparti. On va refaire des psychos. Qu'est-ce qu'ils sont chiants à capturer ces Pokémon, franchement. Je me rappelle pas avoir autant galéré quand j'étais petit. Ok, les Parax, parfait. On va pouvoir réattaquer encore une fois.
Un petit coup critique et met un HP là, ça ferait plaisir. Pas du tout. Parfait, il est parax. Là, normalement, cette attaque là, ça le met vraiment à un HP de pile poil. Vraiment. Bon, c'est pas un HP, mais oui, bref, vous avez compris. Et il va rentrer dans la 96e ball. Ça veut dire celle-ci. 1, 2. Arrêtez, arrêtez, vous avez cru aussi. Je le sais. Je sais pertinemment. 1. 1. Toby qui va peut-être tomber au prochain tour. Sauf si Lugia accepte de se faire dominer. J'aurais peut-être pas dû dire ça parce qu'apparemment ça lui a pas plu. Là je suis un peu dans la sauce. Je suis un peu dans la sauce fromagère. On va faire un soin aussi pour nous. D'ailleurs, quelle sauce vous prenez au grec, vous? Dites-moi en commentaire. C'est le gros tapine. Aucun rapport. Allez, on va repartir sur des... De toute façon, je crois qu'il ne reste presque que des soins, hein, Lugia. Quoi, il doit lui rester des météores et des soins. Nous, on a plus de psycho. Les séismes, ça ne marche pas. Ok, on peut plus le blesser, donc... Toby ne sert officiellement à rien. Et on va envoyer... Oh, oh. On va envoyer ce bon vieux oh, oh. Alors, en espérant que ça les fasse dépenser aussi des PP x2, là. On va tenter des flagrations pour voir ce que ça donne. Avec OO. Normalement, on a vu que ça... Oh, quand même, hein. Quand même, ça enlève pas mal, hein. Ça enlève quand même pas mal. Ok, les parax, c'est parfait. On va pouvoir en refaire un. Comme j'ai dit, je crois qu'il lui reste que l'attaque soin. Je vais faire une déflagration, tiens. Là, normalement, même un petit coup critique, ça ne le tuera pas. Logiquement. Putain, il est parax 3 fois de suite. Hein. Oh là, j'ai sué du cul. J'avoue que j'ai sué du cul. De toute façon, là, à chaque fois que je vais mettre dans le rouge, vu qu'il est déjà parax, on va tenter des balls. Mais je sais qu'il va soigner le tour suivant, donc voilà, paralysé, parfait. Ça nous laisse un tour de répit. 1, 2. J'ai l'impression que je ne peux pas capturer ce Lugia. C'est un peu chiant. Et on est déjà, je crois, à plus d'une dizaine de boules, hein, si je dis pas de bêtises. Ok, plus de 11 déjà. Parfait, il est parax. Allez. 1. Non, il ne veut pas. Petit soin. On va refaire une bonne petite déflagration. Et voilà, il fallait pas que je la rate, évidemment. Classico classique, voilà, soigne-toi. Moi aussi je vais me soigner pour la peine. Ça t'apprendra. Et on va partir pour un combat de teubé. Allez, utilise soin. Ça veut dire qu'il perd une PP bêtement. Moi je vais placer le soleil tranquillement. Je vais même utiliser tous mes zéniths, vu que en vrai je m'en fous. Comme ça, ça va le forcer à spammer ses soins. Ça va m'aider pour la suite. Voilà. On remet un petit zénith, évidemment on va le rater, mais c'est prévu, c'est normal. Ça y est, il a plus de PP, il a plus d'attaque. C'est maintenant que Ronflex rentre en action. Allez Ronflex, pour la famille. Parfait, il se blesse. Nous, on va pouvoir faire un plaquage. On va pouvoir faire deux plaquages.
Voilà, je vais pas aller plus loin parce que j'ai peur qu'avec ses... avec la lutte, il se tue après. Enfin, il se mette KO. Allez, Hyper Ball. C'est ma dernière chance, là, de toute façon. Après, quand il sera KO, ce sera fini. Il utilise lutte. Ronflex qui tombe. Mais on en a plus besoin, déjà. Utiliser notre Pokémon, oui, bien sûr. On va envoyer... Toby. Je sais pas si ça change quelque chose, en vrai, d'avoir un Pokémon plus fort en face. En tout cas, pour les captures, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon. Voilà, c'est fait. Et l'épisode qui va durer 45 minutes, grâce à ce Lugia qui ne veut pas se laisser capturer. Pourtant, je l'ai mis plein de fois dans le rouge. J'ai envoyé énormément de balls. Il est paralysé depuis le début. Là, c'est un peu de l'abus. Oui ! J'y croyais plus ! Lugia est attrapé, je n'y croyais plus, c'était terminé pour moi. Les données de Lugia sont ajoutées au Pokédex. Il est supposé être le gardien des mers, on raconte qu'il est apparu une nuit de forte tempête. On va pas lui donner de surnom, et du coup Lugia qui rejoint l'équipe, qui est juste ici, ce beau Lugia. De nature foufou. ok. Ouais, en vrai, bah ouais, bah bonne défense et bonne défense spéciale, ouais. La vitesse, je savais que c'était pas ouf. L'attaque, je suis un peu déçu hein, quand même. Hein. En tout cas, voilà. Lugia qui est capturé. On va pouvoir retourner du coup. Poursuivre notre aventure. Dans le prochain épisode, comme je vous ai dit, on va essayer de capturer Suicune, le Pokémon fuyard. Donc il peut se trouver n'importe où sur la map. Ainsi que Deoxys, le Pokémon extraterrestre. Voilà, si la reprise de ce let's play vous a plu et que cet épisode vous a plu également, n'hésitez pas à mettre un like, à lâcher un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. C'était Maska, salut à tous.